Le renvoi de migrants en mer vers la Libye a été déclaré illégal par la plus haute cour d'appel en Italie. Salué par les associations caritatives et les groupes de défense des droits de l'homme, l'arrêt qui a été déposé au début du mois a été qualifié de définitif. La Cour de cassation a également confirmé la condamnation du capitaine de l'Asso 28. Le propriétaire de ce remorqueur italien avait en 2018 secouru 101 migrants à bord d'un canot pneumatique avant de les renvoyer en Libye. Le capitaine a été condamné à 1 an d'emprisonnement pour les délits d'abandon de mineurs ou de personnes incapables et de débarquement arbitraire ainsi que d'abandon de personnes. L'Italie fait partie des gouvernements européens qui ont adopté une position de plus en plus dure en matière d'immigration au cours des dernières années. La traversée de la Libye vers l'Italie est l'une des routes migratoires maritimes les plus empruntées. Les migrants ne peuvent être renvoyés de force dans des pays où ils risquent d'être gravement maltraités et des abus généralisés ont été largement documentés en Libye.